vous propose qu'on y aille en marchant, tu sais, accroupi. Non, bah... ouais, mais c'est moi, je suis chaud. Non, mais en gros, c'est tant qu'il y a des dialogues, on rentre pas. Moi, je propose qu'on marche, mais en sortant notre spectre. Tu sais, non, mais Marston, il propose de marcher, il est en plein speedrun, le tête de nœud. Tant qu'il y a des dialogues, on rentre pas. Is the new, si t'as pas de basket, si t'as des baskets, tu rentres pas, quoi. Voilà. On rentre avec des sockets et des. Et comment ça s'appelle? Des mocassins. Des mocassins. On dirait truc fait à base de peau d'animal. De peau de sanglier. Improbable. Du marcassin. À l'aide! Oh, le bruit. Chla! Et là! Attends, là pardon. C'est le bruit de mon monarque qui fait ça. Bon, normalement, ça a l'air pas mal, là. Y'a plus de dialogue. J'avance. Sur... Non, mais y'a plus de. Y'a plus de. Ah, si, ça y est, il vient de s'actualiser, je crois. Si, c'est bon. Ah, ça a l'air actuel. C'est actu, les mecs! Bravo à tous. C'est bon, après 25 minutes, on est enfin dispo. C'est parti, la soirée GM est officiellement lancée, messieurs dames. Venez passer un moment fou 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 avec nous, n'hésitez pas de sub, follow et compagnie. Ta gueule, putain. Mais Martin, la cloche, fils de pute aussi. Martin, t'as mis le fameux mode pour les lourdes, là, ou quoi? Non, j'ai oublié. Le mec, il a dit ça d'une... Mais d'un noobisme. Ah non, j'ai oublié. Ah non. Oh, pareil, hein, les membres des forces spéciales, t'as bien pris la radio pour indiquer notre position, comme ça on pourra faire l'extraction par hélicoptère. Ah, bah non. Ah bah j'ai oublié. Par contre, ouais, j'avoue, là, les builds d'Aubert de Gerfo en nuit noire avec Abyssal augmenté, ça va être vraiment costaud. Hein. Par contre, j'ai déjà ma radio, c'est ce que c'est ok pour tout le monde. Bah ouais, c'est ok. C'est ok. Pardon. Non, je pensais l'avoir sur ce kill, je l'ai pas en fait. Léla. Bah écoute, vas-y, on fait un grand coup de protocole ou quoi? Allez, vas-y. Hein. Allez, salut. Fais tourner les serviettes, bande de bâtards. Oh, mais il est où l'autre? Il est là-bas. Là. Et là. Et là. Pardon. Et là. Oh putain. Et là. Ah non, faut pas lancer Marston sur la variété française. Oh putain, il va nous chanter un balawan toute la soirée. Emporté par la foule. Il ça nous a vous fait avait manqué, hein. Un grand corps malade featuring Alain Souchon. Featuring PS Vita. Oh, la version alcoolique, c'est Alain Bouchon. Moi, on me rebouche pas, ouais. À deux doigts de faire Alain Reblochon, tu sais. Alain Reblochon, vos copains pour les tartiflettes. Alain Reblochon, il carave votre daronne. Eh hey, mais GM, c'est pour gros mongol en fait. Oh, ah ouais, putain, ça va repartir ça encore. Putain, je te déteste, Marton, j'ai envie de te chier dessus. Je sais pas, mais j'ai vu Jason Doe. Je veux le provoquer à la main. Je veux le provoquer à la main. Marston, et si je lui mettais une grosse pilule en lui tirant dessus pour qu'il pré-shoot le connard qui fonce dessus. Là, c'était Olive John Doe, quoi. Mais... Olive John Doe. Ça va, Olive John Doe? Deliveroo. Olive John Doe. Ton super entraîné. Olivando. Oh putain. Ah. Allez. Écran bim. Il a rejoint Olivando. Ils sont venus pour gagner. C'est plus des aigus, c'est des vers qui cassent à ce niveau-là, ça. C'est trop là. Eh, hey, tu as trouvé nous les paroles. Les gosses, non, ça va. Olivando. Je vais tuer. J'avais le clip du ballon qui flottait en l'air, mais c'était une olive. C'était le vieux spectre de John, tu sais. Oh, bah zut. Ah, bah zut.
Oh merde. Oh The Bee les bolos. The oh. Bee. Personne n'a une radiance là. Bah on est ah bah dedans, tête de cul. J'ai trop con. J'ai trop con. Le mec il dit ça, le premier truc premier degré qui dit de la nuit noire, c'est le truc le plus infect. Ah bah bon, j'ai dit ça, je tourne ma caméra et je vois l'espèce d'épée au milieu de la radiance, je suis abordé dedans. Personne n'aura une radiance les mecs. Ah, par contre attention, on a un petit peu de compagnie dans la faille. Derrière, attention. Le mec qui se coule un gros bang et personne n'aurait une douille. Ah oui, c'était de l'instantané là. Nous comptons sur toi, Marston. Tu les pions devant toi, c'est tout ce qui compte. Fais gaffe, ils vont te sniper. Ils sont deux. Par contre, ils bug un peu, hein. Non, non, c'est parce qu'ils sont joueurs Warzone 2, c'est pour ça. Il y en a. Là, t'en as deux, il y en a un autre à gauche, tu l'as vu ! Il prend la forteresse, hein. Attention ! Ne panique pas, ne panique pas. Non mais non, faut pas faire ça. Que fait-il? Oh, je vais mourir. Sauf que tu mets la faille, hein. Quel suspense. Mais pourquoi j'ai fait ça? Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Mais il s'est créé en assaut. Il a pété un plomb. Assaut. Oh putain, la ref. Assaut, quoi, les stations-service. Ah oui, celle-là, c'est vraiment... C'est trop, là. Ah, quel bordel. Ah, mais c'est déjà barré, Kargen, je suis con. Ah, on peut se rapprocher, je crois. Ouais, j'ai une radiance en plus. Mets là au mid en haut si t'es pas une salope. Non, là, c'est bien. Parce que regarde, il nous défonce l'autre en plus. Non, c'est bien. Il est où cette tête de bite? Il est là, sur le côté droit. Mais c'est parce qu'il y a un vieux cadavre devant lui. Pa, 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 pa. Tuez-le. Oh. Attention Marston, je vais me faire balayer. Je te protégerai. Comme dans les films là. Harry, je te protégerai. Je te protégerai de mon... Oh. Harry, je vais te... Oh. Marston s'engage des mobs 1v1 à balai, t'as 1 cm. Mais pourquoi ça marche pas ça, putain? Me dis pas que j'ai pas mis le bloqueur sur l'arc, hein, je serais un fils de pute sinon. Bah ça, moi pour moi ça colle, hein. Ouais, c'est vrai. Je mets une radiance. D'accord, putain. On va sur ta radiance. John Doe, je suis dans ta radiance. Tu peux me dire combien de temps il reste à ta radiance? Oh mon dieu. Il reste 16 secondes à ma radiance actuellement. Bien reçu, dans ta radiance il reste 11 secondes. Ok, mob bloqueur en face à 6 heures. Oh, attention, la radiance, 3, 2, 1, la radiance de la John radiance Doe vient se faire décoller. C'est bon, on communique assez là, ça va? Mergin, combien de temps avant ta prochaine radiance? 5 secondes avant la prochaine radiance. Vous pouvez faire un décompte. Les si gars, vous les voulez. Les gars, 5 secondes avant l'impact de Manova sur le champion. Je le répète, 5 secondes le avant. Le mec, il est en full red, c'est 5, attention, 4, radiance, 3. Maintenant, venez tous dans la magnifique radiance de Mergin. Je tire sur le bloqueur, je retire sa barrière, je n'ai plus d'armes sur l'arbalète, je recharge. Attention, ça part directement le bloqueur sur la gauche à 9h. J'ai un cooldown pour ma grenade. Mince. Bloqueur à 9h, je mets radiant. On dirait qu'on est sponsor sur un jeu pourri, tu sais, qu'on veut bien tous les détails du truc pour faire plaisir à l'éditeur. J'envoie moult grenades afin de pratiquer le kill. 7 secondes sur la radiance, avant la fin de la radiance de Mergin. Attention, fin de la radiance nettoyer de Mergin. Attention des mobs à plusieurs heures, partout en fait. Plusieurs heures. Mais les mobs sont en avance, ils sont pas sur les créneaux horaires, je comprends pas. Le mob est croate, je répète, le mob est mais croate. Mais du coup, avec le décalage horaire, est-ce qu'il se déplace plus rapidement? À voir. Ah putain, mais oui, il stun les surchargés, le monarque, donc il a pas le bloqueur. Mais oui, putain, je suis trop con. Oh, j'avais oublié ce détail. Putain, mais merde, joint. Tu joues à World of Warship ou quoi? Bien sûr. Bienvenue sur les soirées sponso de John Doe et Mergin. J'ai une radiance, répète, j'ai une radiance.
Je la mets mid. Oh, je pense qu'en termes de stratégie, c'est un petit peu tôt la radiance. Stratégiquement, c'est un misplay de ma part, je m'en excuse auprès de mes alliés. Tion, P2. A bientôt pour un nouveau gameplay, pouce bleu. Yo Mistifa, ça va quoi? La première elle est déjà horrible, putain. Oh merde. Ça va finir sur les chapeaux de rouille. Ça fait 10 minutes qu'on joue, on est déjà au boss. Putain, j'avoue, on l'a tracé. Après, protocole, c'est nos risques. Hein. Si on joue à 3 comme ça. En même temps, je pense qu'on a une cam. Enfin, une com irréprochable. Hein. Bah, notre com, ouais, je pense que c'est la clé de la réussite. Hein. Pour le coup. Écoute, voilà, on a le nom de notre vidéo de YouTube, la clé de la réussite en GM. Vous voulez réussir vos raids et vos GM avec LFG? Allumez votre micro, bande de salopes. Like et partage cette vidéo avec tes amis. Un petit like, ça fait toujours plaisir et ça met en avant la chaîne. Alors si tu souhaites soutenir ton créateur préféré, n'hésite surtout pas. Le mec c'est Vincent Macario, c'est trop zombie. Oh putain, Vincent Macario. Moi c'est Jonathan Macaron. Et moi c'est McCain, rien à voir mais... Putain, j'ai pris l'arc surchargé, je suis un débilos. Mais ça existe même pas, comment t'as fait? Si, sur le monarque il a un surchargé de base. Ah bah oui, bah voilà. Bah mais ils avaient des boucliers abyssaux, mais je me suis dit vas-y. Bisson abyssaux. Oh, putain, les rêves de boomer aujourd'hui. Oh my god. C'est Fatal Bazooka ou quoi? Attends. J'envoie une radiance, DPS et moi ce trou du cul. Là c'est l'étal lance-roquette là, ouais. Pardon. J'ai une deuxième radiance à mettre juste derrière, après celle de John Doe auquel il reste que 20 secondes. Ok, c'est bien comme, bravo à vous. Si jamais on a le temps de le non, garde ta radiance pour la capture, je répète, garde la radiance pour la capture. C'est vrai qu'en termes stratégie, c'est le plus optimisé, bravo, tu as bien fait de me le dire, sinon je serais passé à côté. 2 secondes avant la fin de radiance, je répète, 2 secondes, retour stratégique. Radiance sur le point, je répète, radiance sur le point. Attention, il y a beaucoup d'équipes, laissez les renforts. C'est le moment un peu délicat du jeu. Attention les gars, faut pas qu'on parte en couille parce que c'est le moment où si on fade... Non là, il faut arrêter les gars, il n'y a plus le temps pour les blagues là. Ça y est, la zone est prise. Ouf, le plus dur. Laissez-moi clean, je répète, laissez-moi clean, je veux obtenir ma radiance si vous me laissez clean. Allez, c'est John, oui, sinon après... Ah putain, ah bien joué, bien joué. Je répète, j'ai ma radiance, prochain point à gauche, tout le monde se dirige à 9h. On peut quand même remercier Bungie pour cette feature incroyable, hein. Franchement, sans eux, on se payerait pas une tranche de fun comme ça. Hein. J'envoie des grenades à Tire-Larigot, je répète, Tire-Larigot à 12h. Ah, moi je les envoie juste à Montargis, mais Tire-Larigot ça m'a l'air pas mal aussi, c'est vrai. Les gars, tuez ces putains de mobs, on capture pas la zone, je répète, c'est dramatique. Vous le voyez le cabal qui est suspendu en l'air devant nous là? Le cabal au oui, fond du vois. Jardin. Pardon, non, c'est. Ah. Putain, j'en ai marre. Attention, dernière zone, Marsonnet, tu t'invadions, sinon ça va être compliqué. Mais il joue Abyssal, tête de cul, connecte-toi. Je ne l'ai pas. Petite radiance, venez. Oh, c'est pas petite terrible, radiance. Heureusement qu'ils ont mis ça dans Destiny 2, sinon ça aurait été compliqué. Ah! Comme quoi on crache sur le jeu, mais quand même, hein, ils ont bien fait progresser. On crache sur le jeu, mais il y a quand même des features. Bah, elles sont connes, du coup, c'est des confitures, mais bon. Putain. Ok, j'envoie de la greuge, ouais. De la greuge foirée. Le mec avec la main dans le slibard en s'appelle. Ok, j'envoie de la greuge. Radiance, venez. C'est le moment. Ok, là ça radiance les mecs, je pense que c'est la clé de la réussite. Ah, je pense aussi hein. Attention, y'a un chien 40. Ah quand même, l'IA est tellement bien codé que les chiens de guerre ils arrivent toujours au moment où on pourrait s'en sortir. Ah, bien joué. Je dois le reconnaître, c'est encore un coup de Luke Smith. Ok, bien joué les mecs, on a fait le plus dur, je répète, on a fait le plus dur. Je répète, on a fait le plus dur. J'ai bientôt ma radiance, on est sauvé. Olivier de Kergan arrive. Je mets ma radiance plein mid. Je répète, plein mid, si on veut DPS.
tellement bien joué. C'est vrai que la map en plus favorise totalement ce genre de stratégie, bien vu. Allez, on me DPS ça là, les bougs là. La section d'assaut là. Mais pourquoi je prends mon linéaire? Oh non, c'est misplay de ta part ça, c'est très misplay. Il y a tellement d'armes différentes que je savais même plus quoi jouer. Comme quoi, franchement, on a toujours le choix, c'est tellement bien vu quoi. Sauve de radiance 4, 3, merde. 2. Repli 1. Stratégique, je répète, repli stratégique. Debuff me. C'est bon, bien joué. Bien ah joué là, là. Putain, bien c'était joué. Finement joué de ta part, merde là-dessus. Ah, c'était compliqué, franchement, bien joué quoi. À bientôt fais pour une nouvelle après-midi gameplay. C'était pas évident, mais tu l'as fait, bien joué. Hein. Ah, le dernier tir, je pense pas que j'aurais été capable de le pratiquer. Putain. Je crois que c'est toi le chef, John. Ah zut. Encore un misplay de ma part, je m'en excuse. Est-ce qu'on irait pas à la tour pour voir notre loot? T'as 15 minutes, les gars, c'est une GM ou c'est un assaut, lol.